4 couverts, 4 cartes en direct, une Saint-Jacques, une dorade, une volaille et un bœuf. À l'auberge Saint-Rémy, Fanny Ray impose une discipline de fer à son équipe. Sa cuisine composée de produits locaux lui a valu d'être la seule femme première étoile du guide Michelin 2017. Sa spécialité, la coquille Saint-Jacques dite pince à linge, à la fondue de poireaux, écorce de citron et truffes noires. Comme elle est vraiment enfermée, ça va cuire à l'étouffée. Et puis on va avoir un parfum incroyable au moment où on va retirer ses pinces. Fanny Ray a fait ses classes dans la Marine Nationale à Brest, avant de rejoindre le Ritz à Paris, où elle rencontre son époux, le chef pâtissier Jonathan Wahid. Depuis 2012, il marie plat et dessert, loin des clichés sexistes. Ce qui compte surtout, c'est le travail qu'elle fournit, l'amour qu'elle met dans les créations, dans les plats qu'elle crée. Après, il y a une sensibilité féminine dans ses assiettes, et je trouve que c'est génial. Actuellement, en France, seules 15 femmes possèdent le prestigieux Macaron, pour un total de 616 restaurants étoilés. Mais selon Fanny Ray, mère de 2 enfants, la haute gastronomie n'est pas un milieu inaccessible aux femmes. Il faut avoir quand même de la combativité, parce que c'est un métier quand même rigoureux, physique. Mais non, les femmes ont clairement leur place en cuisine. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elles arrivent, on en forme aussi, donc on en a déjà formé. Donc je ne me fais pas de soucis, il y en aura d'autres. Depuis sa récompense, la chef met les petits plats dans les grands. Elle vient de renforcer son équipe de 2 personnes. Elle espère ainsi que ses recettes aux saveurs subtiles et végétales lui vaudront un jour une seconde étoile.